Anna Arendt est une philosophe qu'on pourrait vraiment considérer comme une illustre inconnue au sens le plus strict. Euh, illustre parce qu'Anna Arendt, on en parle beaucoup, elle est très souvent citée et si vous l'observez un peu de près, elle est citée toujours pour les mêmes raisons. Très essentiellement pour sa contribution au procès d'Eichmann et sa couverture journalistique du procès d'Eichmann dans le cadre duquel elle a élaboré son concept de banalité du mal dont on qu'on cite très souvent, dont on fait un peu tout et n'importe quoi. Et elle est également très souvent évoquée comme ayant été la maîtresse d'Heidegger, ce qui n'est euh, pas d'une importance philosophique considérable. Donc, on la connaît, on la cite, et on la cite toujours un peu comme une sorte de sociologue, ou parfois historienne des idées, ou historienne tout court. On sait qu'elle est vaguement philosophe, mais on ne sait pas exactement pourquoi on peut la considérer comme une philosophe et une philosophe de première importance. Donc la première raison de ma satisfaction de pouvoir parler d'Anna Arendt ici ce soir, c'est celle-ci. Essayer de faire connaître un peu mieux sa pensée et surtout ce qu'il y a d'authentiquement philosophique de sa, dans sa pensée. Et c'est ce deuxième point que je voudrais souligner tout d'abord. Ça n'a pas l'aspect d'une philosophie. Vous ne trouverez pas de développement théorique, consistant, élaboré, long, qui poserait des thèses à validité universelle ou à validité anhistorique. C'est de l'histoire, c'est de celle de la sociologie, c'est de l'économie, c'est de la lecture de textes, c'est parfois de la littérature, c'est toutes sortes de choses, mais rien qui ressemble à ce qu'on attend ordinairement d'un texte philosophique. Et pourtant, et pourtant, il y en a, et il y en a précisément, non pas à côté de cet aspect documentaire, de cet aspect sociologique économique, mais à travers cet aspect sociologique, économique et historique. Et c'est l'un des aspects sur lesquels je voudrais souligner aujourd'hui. Et il y a surtout euh, un certain nombre de textes qui sont authentiquement philosophiques et qu'on peut considérer comme des textes très importants dans l'histoire de la philosophie euh, moderne et contemporaine. Et je pense en particulier à « La condition de l'homme moderne », qui est un très grand texte de philosophie, et dont le titre français nous trompe en quelque sorte, hein, puisque euh, le titre original c'est The Human Condition, donc la condition humaine. Euh, pour des raisons qu'on peut comprendre euh, pour le lecteur francophone, on n'a pas traduit ce texte en disant la condition humaine, euh, et donc on a dit condition de l'homme moderne, comme si au fond il s'agissait d'un ouvrage de sociologie de la modernité. Ce qu'il est aussi par ailleurs, mais ce qu'il n'est pas principalement. C'est d'ailleurs un choix qu'ont fait les derniers éditeurs d'Anna Rent dans cette édition très pratique que vous trouvez en Quarto Gallimard L'humaine condition. Du point de vue de la langue, ce n'est pas terrible, mais on comprend ce qui veut être souligné ici. Il s'agit bien d'un texte sur la condition humaine en général à travers une sorte effectivement de sociologie historique de la condition de l'homme moderne. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre. C'est comment on peut faire quelque chose comme de la philosophie, et de la philosophie à proprement parler, dans un texte qui semble se présenter comme une analyse de la modernité. Le troisième point que je voudrais souligner concerne plus directement le thème fin du travail. Il faut d'une certaine façon, pour les organisateurs d'un colloque de philosophie, un certain culot pour prendre ce thème de fin du travail, non pas de travail. Euh, tous les philosophes présents ici le savent, quand on demande à un philosophe qu'est-ce que, ce qui l'intéresse, c'est d'aller en bon petit platonicien à l'essence de la chose, non pas le travail tel qu'il existe aujourd'hui ou ses formes contingentes, mais le travail en lui-même, l'idée du travail, le travail pur, l'essence du travail, quelque chose comme ça. Et là, ce n'est pas du tout ce qui qu nous est demandé, il s'agit bien de parler de la fin du travail et non pas du travail. Et donc il y a quelque chose de profondément difficile pour un exercice philosophique de parler d'un concept non pas dans sa conceptualité, dans son essence, dans son anhistoricité, mais d'en parler précisément dans ce qu'il est pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire éventuellement en voie de disparition. Donc c'est bien de la fin du travail dont il sera question aujourd'hui, non pas du travail en général chez Hannah Arendt et de la fin du travail qui est donc un phénomène réel ou non, ça on peut discuter. Mais s'il existe, c'est bien un phénomène avant tout économique et social, et un phénomène historique, et ce n'est pas un phénomène philosophique, si l'expression a un sens. Voilà, donc on est, on est mis en difficulté, puisqu'on doit essayer de faire de la philosophie à partir d'un phénomène qui n'est pas philosophique en lui-même, et donc faire une philosophie non pas en se basant sur une analyse historique de la fin du travail, mais une philosophie de la fin du travail. Et c'est ce point qui va nous poser un certain nombre de, de difficultés méthodologiques. Alors, pour arriver à comprendre quelque chose à cette fameuse théorie de la fin du travail euh, chez Hannah Arendt, euh, je vais procéder en quatre temps. On va d'abord, assez rapidement, jeter un coup d'œil au texte, au texte où cette thèse est énoncée de la façon la plus simple, la plus nette et de façon finalement assez compréhensive. Mais, au-delà de cette toute première lecture, je voudrais vous proposer. Un itinéraire un peu plus vaste, qui consistera tout d'abord à comprendre ce que fait Anna Arendt quand elle fait de la philosophie. On ne peut pas comprendre l'importance qu'elle accorde à la fin du travail sans comprendre ce qu'est la visée principale de toute sa pensée, une visée que vous trouvez énoncée précisément dans ce tout début de la condition de l'homme moderne, et que vous avez, vous regardez directement, hein, vous avez au bas de la page 62, quand elle dit ceci. Qui a l'air tout simple mais qui est assez compliqué. Ce que je propose est donc très simple, rien de plus que de penser ce que nous faisons. Très simple façon de parler parce que c'est assez compliqué de penser au sens strict ce que nous faisons. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire, penser ce que nous faisons. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va voir pourquoi la philosophie d'Anna Arendt peut être considérée. Selon une expression qu'a qu utilisée Foucault dans un autre contexte, et je reviendrai là-dessus aussi, une ontologie de l'actualité. Une ontologie de l'actualité, c'est-à-dire un exercice philosophique qui consiste à dire l'être, classiquement, hein, ontologie, c'est bien ce que ça signifie, mais l'être, non pas l'être du monde, mais l'être de notre présent, de ce que nous sommes en train de vivre. Voilà donc ce qui constituera un premier mouvement après une brève lecture du, du texte comprendre ce qu'est une ontologie de l'actualité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va s'apercevoir assez vite qu'il y a quelque chose d'assez étrange chez Hannah Arendt dans sa façon de penser l'actualité et plus singulièrement encore dans sa façon de penser le travail aujourd'hui et la fin du travail aujourd'hui. Toute l'opération philosophique d'Hannah Arendt consiste à penser le présent en produisant un effet de contraste avec ce que nous ne sommes plus et ce que nous avons éventuellement été à savoir des grecs et donc c'est très essentiellement dans euh, l'humaine condition mais très aussi, aussi tout aussi bien dans la vie de l'esprit ou, ou dans la crise de la culture à partir du modèle grec que notre modernité est pensée. et donc dans un second moment on va s'intéresser à ça c'est quoi ce modèle grec et quelle était la place du travail dans ce modèle grec pour qu'on puisse se servir de ce modèle grec comme une sorte de paradigme de ce que a pu être la place du travail, en l'occurrence très minime chez les Grecs, hein, euh, en tout cas comme valeur, et euh, ce que nous pourrions trouver chez les Grecs, pas tant comme motif d'inspiration, il ne s'agit pas de revenir aux Grecs, ce qui serait absurde, mais comme, au fond, instance critique de ce que nous faisons. Tout se passe comme si Hannah Arendt inventait en quelque sorte des Grecs pour servir de critère d'évaluation de notre modernité. Donc, on va voir comment ça marche, hein, ce, cette référence au grec, dans un deuxième temps. Enfin, bien sûr, dans un troisième temps, on reviendra à la place singulière que la fin du travail occupe ici. Et je crois que ce qu'elle essaie de faire, on peut le dire assez simplement, en le rapprochant d'une un, opération philosophique du même type, du même type que, que fait Kant dans un texte qu'on cite assez souvent qui s'appelle Le conflit des facultés texte que les professeurs de philosophie ici présents connaissent sans doute et utilisent sans doute avec leurs, leurs élèves, un texte où Kant se dit, au fond, est-ce qu'on peut, en regardant l'actualité, dire quelque chose de l'homme lui-même Est-ce qu'on a des motifs d'espérer ou de désespérer de la condition de l'homme au vu de l'actualité Alors l'actualité qu'a qu sous la main Kant quand il écrit ce texte, c'est la Révolution française, et dans ce texte, très, très beau, très intéressant, il interprète non, pas la Révolution française, mais l'enthousiasme de ce qu'il appelle les spectateurs de la Révolution française. Et il dit ce phénomène curieux, en Prusse, des gens qui s'intéressent à la Révolution française, qui se passionnent pour la Révolution française, alors qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier à, à cette affaire, eh bien, c'est un signe. C'est un signe d'histoire, c'est-à-dire un phénomène particulier qui nous donne à comprendre l'essence d'une époque. Et je crois que ce que fait Anna Rent, à propos de la fin du travail, c'est exactement ça. La fin du travail aujourd'hui n'est pas un phénomène parmi les phénomènes. C'est un signe d'histoire, c'est-à-dire l'indice de quelque chose qui constitue essentiellement notre modernité. Donc voilà pour le programme. Donc je reprends, hein, lecture rapide, puis ontologie de l'actualité, élaboration du paradigme grec, et sur ces deux bases, compréhension de ce cette fin du travail comme signe, signe d'histoire, indice historique de ce que nous sommes en vérité. Alors, deux mots sur le texte que vous avez sous les yeux. C'est le prologue de la condition humaine, ou l'humaine condition, on va, bon, on va dire humaine condition dorénavant, prologue très condensé, hein, où on trouve l'essentiel des thèses de l'ouvrage, où elle dit ceci, et c'est bien sûr dans ce cadre qu'intervient qu la, la phrase que j'ai donnée. Euh, que j'ai mis en exergue de mon intervention, euh, qui est dans le programme que vous avez des, des rencontres de Sophie, où elle dit ceci on ne peut rien imaginer de pire. Alors qu'est-ce que c'est ce, ce pire qui nous guette eh Bien, ce pire qui nous guette, c'est le second phénomène qui constitue notre modernité. Donc la fin du travail. Le premier, c'est le suivant. Notre modernité est caractérisée par deux transformations radicales. La première c'est le changement de statut du langage. Nous vivions avec les Grecs dans un monde où le langage était un logos, c'est-à-dire quelque chose qui est avant tout fait pour constituer ensemble, en tant qu'être humain, une communauté politique. La modernité, c'est un monde où le logos s'est fait ratio, où le logos, dans sa dimension à la fois de rationalité et de langage, chez les Grecs, s'est fait ratio, c'est-à-dire calcul, chez les Romains. Et au fond... Ce qui a remplacé le langage, c'est la rationalité à la fois économique, technique et mathématique. Le langage est disparu. L'être essentiel politique de l'homme a disparu. Premier drame. Deuxième drame, qui vient en fond enfoncer l'homme dans sa situation douloureuse. Nous avons perdu notre identité politique. Nous l'avons remplacé par la modernité, par... Une identité d'animal travailleur, animal laborans, dit-elle. Nous travaillons, ce qui fait notre essence, c'est de travailler depuis plusieurs siècles. Et là, grâce à cette même rationalité technico-économique-scientifique, l'automatisation du travail fait disparaître le travail. Donc nous arrivons dans cette situation où le rêve grec, se débarrasser du travail, vire au cauchemar, parce que le rêve grec n'avait un sens que pour des hommes qui savaient très bien. Quoi faire de leur temps quand ils ne travaillaient pas Nous arrivons dans une situation où nous, sommes, nous avons perdu notre identité politique qui était l'essentiel chez les Grecs. Nous l'avons remplacée par le travail, puis nous perdons pas le travail. Qu'est-ce qui reste Rien. On ne peut rien imaginer de pire. Voilà la situation. Et c'est à la fin de ce texte, juste après, qu'elle dit « Voilà, eh bien, c'est la raison pour laquelle... » Au nom de ce drame que nous sommes en train de vivre et auquel il faudra bien trouver quelques solutions, nous devons penser ce que nous faisons. Voilà le programme de ce texte. Vous voyez, c'est très dense, hein il y a beaucoup de choses à la fois, et la fin du travail occupe ici une fonction tout à fait privilégiée. Alors j'en reviens dans un premier temps, comme annoncé, à cette question de penser ce que nous faisons. Un peu de commentaire de texte à proprement parler. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire par là Penser ce que nous faisons. D'abord penser. Penser ce que nous faisons dans ce contexte-là. Contexte-là, je pense qu'il faut le prendre le, le, le mot très au sérieux. Penser, ce n'est pas connaître. Pour ceux d'entre vous qui fréquentent un peu la philosophie ancienne, vous connaissez cette distinction peut-être. Hein. Connaître, c'est connaître scientifiquement les phénomènes, les expliquer, notamment par l'application d'un principe de causalité. Penser. C'est ce que peut faire un homme rationnel quand il n'est pas en train de connaître, quand il est en train euh, d'aborder des questions, notamment des questions morales, qui ne sont pas réductibles à une approche scientifique. Donc je crois qu'il faut le prendre au sens qu'ancien, tout d'abord. Penser, c'est utiliser notre rationalité pour essayer de faire autre chose que de connaître économiquement ou sociologiquement notre modernité, mais pour faire quelque chose comme la comprendre, si vous voulez, mais c'est plus fort que ça. À aller à l'essentiel de ce qu'est notre monde aujourd'hui. Donc, pensez au sens de Kant, et je crois, et la référence, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la, la proximité psychologique entre Heidegger et, et, et Anna Arendt, le, le sens de ce texte est tout entier. Euh, imbibé littéralement de philosophie heideggerienne. Hein. Je crois que le mot pensée, il faut aussi on le prendre au sens d'Heidegger, qui lui aussi distingue très, très strictement une approche scientifique qui connaît et une pensée qui relèverait de la seule philosophie qui essaye de faire autre chose que connaître. C'est pour ça que Heidegger a ce mot méchant et, et un peu bête, hein. la science ne pense pas, euh, seule la philosophie pense. Donc je crois qu'il faut prendre au sérieux ces, cette, euh, ce mot pensée ici. Donc pensée... C'est dire l'essence même de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et ce qui fait que nous ne sommes plus des Grecs, justement, et que nous ne sommes déjà plus des modernes au sens du début de la modernité. Donc il s'agit de saisir ce que nous faisons. Et là encore, pas simplement penser notre activité, penser notre monde, penser notre histoire, mais penser ce que nous faisons, ça signifie. Penser, je suis obligé d'être un peu lourd dans l'expression ici, ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons. Ce qui fait que notre identité est présente dans notre activité. Donc on a là une visée de l'universel au sens le plus classique de la philosophie. Il n'y a rien d'original dans cette opération d'aller à l'essentiel. Le problème, c'est qu'aller à l'essentiel d'une époque, voilà qui est nouveau. Et voilà qui est tout à fait surprenant. Et donc, on peut dire, et j'espère que vous voyez en quoi ce n'est pas contradictoire, qu'Anna Arendt est quelqu'un qui essaye de saisir l'essence de la modernité politique et de la modernité historique comme quelque chose, comme une vérité éternelle, en quelque sorte. On peut dire, sans que ça soit contradictoire, qu'on dit la vérité éternelle d'une époque historique particulière. Il aura de tout temps et pour toujours été vrai que la modernité, c'est ça on a là un énoncé qui a prétention à l'universel comme il faut bien le dire tout, pré, tout, tout, tout énoncé philosophique qui, qui, qui se respecte c'est pas toujours vrai mais en tout cas c'est toujours une visée euh, Voilà. donc on a quelque chose d'assez singulier viser l'universel viser le noyau essentiel de quelque chose mais ce quelque chose il est historique, il est contingent il, est, il aurait pu être autrement voilà ce que ça ce en quoi consiste une ontologie de l'actualité. Alors, pour comprendre un peu plus, un peu mieux, il faut un peu revenir en arrière dans l'histoire. Euh, là, j'insiste beaucoup sur l'originalité de l'opération Arendt. Rent. n'est pas la première à faire ça. C'est pas la première, mais j'ai envie de dire presque, presque au sens où cette attitude de la philosophie à l'égard de son temps est quelque chose d'assez nouveau, qu'on peut dater relativement précisément et qui date précisément donc de 1784. 1784, Kant à nouveau, Qu'est-ce que les lumières Et ce texte de Kant, très célèbre lui aussi, hein, dit clairement Qu'est-ce que les lumières Non pas, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que les lumières sont les lumières Qu'est-ce qui fait le noyau essentiel des lumières qui va être le noyau essentiel du moment que je suis en train de vivre Et Kant, quand il fait ça, il n'est pas à côté de ces grands textes critiques qui, eux, sont très déconnectés de toute espèce de référence historique, il n'est pas en train de faire une petite fantaisie de journaliste, il est en train de faire de la philosophie. Et au même titre qu'il répond à la question ⁇ Que dois-je faire ?⁇ ou ⁇ Que puis-je savoir ?⁇ il répond à la question que ⁇ que Qui suis-je ⁇ Moi qui vis à l'époque des Lumières. C'est quoi ces Lumières euh, Foucault, dans un texte de 1984, donc juste deux siècles après, c'est le dernier texte qu'a publié Michel Foucault, euh, qui s'intitule lui aussi ⁇ Qu'est-ce que les Lumières, d'ailleurs hein ?⁇ commente très longuement ce texte pour montrer, et il me semble qu'il a raison, qu'il y a quelque chose comme une disposition de la philosophie qui est tout à fait nouvelle. Il a osé, c'est oser savoir hein, le, le slogan des Lumières, le mot d'ordre des Lumières, quant à oser faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant lui, penser ontologiquement le moment présent. Et Foucault insiste sur cette nouveauté qui fait, au fond, de la philosophie post-Kantienne, quelque chose d'assez différent, de même complètement nouveau. L'objet propre de la philosophie n'est plus tant de penser l'éternel, de penser ce qui se présentera pour toujours de la même façon, mais au contraire de penser, dans ce qui nous est présenté comme une vérité éternelle, la dimension de la contingence, la dimension de l'historicité, la dimension donc peut-être aussi de la fragilité. Il n'y a plus de raison avec un grand R, ou d'homme, ou de vérité, ou de justice. Il y a des concepts qui sont des élaborations historiques et qui signifient dans leur forme quelque chose de précis par rapport au moment où tous ces concepts ont été énoncés. Donc j'espère que c'est clair cette idée, hein, euh, véritablement modifier l'opération philosophique, ce qui permet à un texte comme l'humaine condition d'être... Un texte qui s'appelle L'humaine condition, donc prétention à l'universel revendiqué, mais qui ne nous dit jamais l'homme a toujours été comme ceci ou comme cela. Qui nous dit l'homme a été ceci et maintenant, non, il ne l'est plus. Mais ce n'est pas de l'histoire, c'est de la philosophie. Et on trouve ça, effectivement, dans un certain nombre de textes. On pourrait faire une petite liste. Foucault s'amuse à ce genre de petite liste. Hein. Le Kant de Qu'est-ce que les Lumières Certains textes de Hegel qui vont dans ce sens-là. La théorie critique, Adorno, Horkheimer et puis Max Weber peut-être aussi, et d'autres auteurs qui sont souvent d'ailleurs assez proches hein, de la sociologie ou de la, des sciences humaines. Donc voilà le début. Alors cette histoire continue avant qu'on en arrive à Arendt, hein, Nietzsche est lui aussi un philosophe qui s'intéresse beaucoup à l'actualité, hein, pas simplement parce qu'il s'intéresse à son temps, mais parce que lui aussi essaie de dire l'essentiel de son époque, avec un sens du diagnostic. Qui est, qu'il élève très très haut, hein. philosopher, c'est diagnostiquer. Qu'est-ce qui se passe En quoi la fin du travail est un symptôme Un symptôme qu'il faut savoir comprendre avant d'administrer de, de, un traitement. Chez Nietzsche, le traitement est souvent un traitement de choc. Hein. Ici, ça ne sera pas forcément le cas. Donc Kant, Nietzsche, et enfin, encore lui, Heidegger. Euh, proximité ici très grande pas du tout dans la forme, hein. pour ceux qui ont fréquenté un peu les textes d'Heidegger, on s'en rend compte assez vite hein. c'est beaucoup plus facile à lire Anna Arendt qu'Heidegger et les références historico-sociologiques sont finalement relativement rares chez Heidegger alors qu'elles sont omniprésentes chez Anna Arendt. Mais il y a une proximité d'inspiration très forte l'un et l'autre au fond étant à la fois parfois Kantien et parfois Nietzschean même concept de la pensée, je l'ai évoqué tout à l'heure même vision pessimiste euh, clairement pessimiste de l'histoire et de l'histoire de la philosophie. Toute l'opération d'Heidegger consiste à montrer que l'histoire de la métaphysique est un vaste oubli de l'être, dit-il. Je ne veux pas rentrer ici dans le, le détail de ce que ça peut bien signifier, euh, mais au fond, il y a la même idée, il y a quelque chose qui a été perdu. Et ce quelque chose qui a été perdu, l'un et l'autre le situent chez les Grecs. Dans le cas d'Heidegger, il le situe d'ailleurs un petit peu plus loin, hein, puisque chez lui... Euh, au moment où Platon apparaît, c'est déjà fichu, en quelque sorte. Euh, chez Heidegger, chez Anna Arendt, c'est un peu plus euh, généreux. Hein, et tout le, la, le miracle grec est intégré dans sa vision des Grecs, et elle, elle lit avec beaucoup euh, d'affection Platon et, et, et Aristote. Mais il y a la même idée, il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait la singularité d'Anna Arendt dans cette histoire, dans cette façon de traiter l'actualité Alors, contrairement aux autres penseurs, que j'évoquais, il y a ici une philosophie qui est beaucoup plus nourrie d'histoire euh, et de sciences sociales. Hein, euh, elle, elle c'est une érudite hein, et c'est incontestable. Euh, de ce point de vue-là, euh, la condition de l'homme moderne est un ouvrage extraordinaire de, de richesse factuelle. Hein. On apprend énormément de choses. Elle a tout lu, elle connaît tout. C'est une mine d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très spécifique à Hannah Arendt et qui, d'ailleurs, donne euh, cet, cet aspect très singulier et très intéressant à son œuvre. Donc il y a bien ontologie de l'actualité, comme je l'ai dit, mais elle est placée dans un cadre beaucoup plus historique que euh, les autres philosophes dont, euh, je, que j'ai évoqués. De ce point de vue-là, euh, celui qui lui ressemble le plus, c'est bien Michel Foucault. Hein. Euh, Michel Foucault qui... Présente cette même caractéristique d'être incontestablement un grand philosophe. Hein. Euh, heureusement, maintenant, plus personne ne discute sérieusement cette, cette, cette reconnaissance de Foucault comme quelqu'un d'important pour la philosophie. Hein. Il a même fait son apparition il y a quelques années dans les programmes des classes de terminale. Hein. Euh, C'est le dernier en date, hein, si je me souviens bien. Euh, et en même temps, quand on ouvre un texte de Michel Foucault, pas trace de présentation d'un système théorique. C'est de l'histoire, l'histoire de la pénalité, histoire de la folie, histoire du concept d'homme, c'est de l'histoire, l'histoire philosophique si on veut, mais c'est bien de l'histoire. Dans les deux cas, l'opération est la même. Essayez de comprendre l'essence de notre modernité en la comprenant en contraste avec d'autres époques. Et si on peut rapprocher ces deux penseurs, Anna Arendt et Michel Foucault, c'est aussi parce que d'une part, ils vont s'intéresser l'un et l'autre à l'Antiquité. Hein. L'intérêt pour l'Antiquité est assez tardif chez Michel Foucault. C'est plutôt dans l'histoire de la sexualité, pas du tout dans les autres textes. Hein. Mais l'un et l'autre vont s'intéresser au passé de façon assez étrange en créant ce que j'ai appelé tout à l'heure un paradigme, hein, une époque qui sert de critère d'analyse à notre propre modernité. Chez Foucault, c'est très souvent... Euh, la fin du XVIIIe siècle, qui est le moment clé. Euh, la, la fin du XVIIIe siècle, il se passe énormément de choses. C'est un moment clé qui permet, dans sa compréhension, d'éclairer notre présent. Chez Hannah c'est les Grecs et un, même un peu les Romains. Hein. Donc, c'est l'Antiquité en général. Voilà la singularité d'Anna hein. Ontologie de l'actualité, c'est une philosophie, mais c'est une philosophie qui se, conscrit, conscrit, se construit pardon par une référence historique. Et j'en viens donc à mon deuxième moment, on va commencer à parler, rassurez-vous, je vais y arriver, hein, de, du travail à proprement parler et de la fin du travail. Mais si, si on ne comprend pas ce contexte du projet d'Anna Arendt, on ne comprend pas du tout pourquoi elle nous parle de ça en philosophe. Et ça me semblait important d'insister sur ce point. Alors, c'est quoi cette référence aux Grecs aux, aux, À l'Antiquité, mais aux Grecs aussi, euh, comme en quelque sorte des maîtres étalons de la modernité alors, il y a un petit problème de méthode ici qui se pose. Hein. Ceux d'entre vous qui sont historiens vont se demander est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose comme une malhonnêteté intellectuelle profonde à ne s'intéresser aux Grecs que dans la mesure où ils nous servent de grille analytique de notre modernité Est-ce qu'elle n'est pas en train de fantasmer complètement les Grecs pour pouvoir dire c'était mieux avant en quelque sorte Alors, ce n'est pas complètement faux de le dire, et on peut se permettre de critiquer Anna Arendt, hein, même si l'information sur les Grecs est tout à fait solide, hein, elle connaît son affaire incontestablement, il y a une façon de peindre les Grecs qui sélectionne très précisément ce qui lui sert et qui exclut ce qui pourrait gêner cette vision un peu idéale des Grecs. On le voit d'ailleurs dans l'humaine condition au moment où elle aborde les textes assez controversés de la politique d'Aristote sur l'esclavage elle a une lecture qu'on pourrait qualifier d'extrêmement bienveillante voire excessivement bienveillante de la thèse d'aristote sur l'esclavage qu'elle considère au fond comme en quelque sorte normale hein, euh, d'abord parce que c'était de son temps et en, elle essaie de montrer qu'il n'y a pas de véritable problème en quelque sorte de mépris pour les, une catégorie humaine euh, dans, dans cette, euh, cet esclavage lecture qu'on peut, qui, qui est d'une certaine façon légitime quand on regarde le texte d'Aristote, mais qui est quand même ici excessivement généreuse. Hein. Donc il y a bien quelque chose comme je crée des Grecs ad hoc en quelque sorte pour servir de contre-exemple ou, de, plus exactement, d'exemple contraire à ce que nous sommes en train de faire nous modernes. Si vous voulez, si ça peut aider la compréhension, c'est J'ai l'impression qu'elle fait quelque chose comme une fiction historique. Un peu comme Rousseau au début du discours sur l'origine des inégalités dit voilà je fais une histoire ça n'a jamais eu lieu l'état de nature et tout ça mais enfin j'invente et ça va me servir de grille de compréhension de ce que moi moderne je suis en train de vivre et, et donc on a là une con, construction hypothétique tout à fait maline hein, parce qu'on y croit ces Grecs en quelque sorte hein, on a envie de les aimer mais qui est clairement Constitué pour avoir une fonction particulière. Alors, évidemment, est-ce qu'on va dire qu'il y a là quelque chose comme un projet réactionnaire On, ça, ça serait aller un peu vite. Hein. Euh, Anna Arendt a suffisamment de sens historique pour voir qu'on ne reviendra pas en arrière. Et ça n'aurait aucun sens aujourd'hui, ce qui pourrait être éventuellement une solution à nos problèmes de fin du travail, hein, de se dire ben voilà, revenons au grec. Hein. Occupons nos journées à être sur la place publique, à utiliser notre logos afin de constituer ensemble une communauté politique satisfaisante. Ça fait rêver, mais ça n'est pas possible. Et ce qu'elle fait, ce n'est pas ça. Donc, en ce sens, elle est encore une fois Heideggerienne. Non pas revenir à quelque chose qui est définitivement perdu, mais essayer de comprendre, par contraste, ce que nous sommes. Alors, comment ils sont, ces Grecs Qu'est-ce qu'ils qu ont de si extraordinaire Je crois qu'on peut considérer l'être grec qui intéresse à en trois points. Premier point il y a chez les Grecs un primat absolu du politique. L'homme est un citoyen. Il n'est homme que parce qu'il est citoyen. Interprétation classique, forte d'Aristote, de la thèse d'Aristote selon laquelle l'homme est un animal politique. Il faut le prendre au sens strict. Donc, celui qui n'est pas un citoyen. Pour des raisons contingentes, hein. le barbare, l'esclave, la femme, l'enfant, c'est pas un homme. C pas vraiment. En tout cas, c'est pas un homme qui réalise en lui son humanité. L'homme qui réalise en lui son humanité, c'est l'homme qui utilise ce qui fait de lui un homme, c'est-à-dire son logos. Donc, on a ici une compréhension qu'on peut discuter. Hein. C'est une interprétation euh, vraiment franchement contestable euh, d'Aristote, mais elle est elle est nette. Au moins, l'homme c'est un citoyen avant toute autre chose. Alors certes, il peut, il peut faire autre chose qu'être un citoyen. Il a une vie économique au sens des Grecs, donc dans sa, dans sa maisonnée. Il a une vie intime éventuellement, bien que les Grecs s'intéressent pas beaucoup à ça. Hein. Euh, il a une vie. Parfois, il fait quelque chose comme du travail. Il produit des œuvres. Ça peut être un artiste, mais tout ça n'est pas l'essentiel. Avant tout, c'est un animal politique. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire être animal politique Être un animal politique, ça veut dire agir. Et c'est l'une des thèses essentielles, d'ailleurs, de, de la condition de l'homme moderne, de cette définition de l'action. Hein, L'ouvrage est, est partagé en trois grandes parties hein, l'œuvre, l'action et le travail. Et elle dit le grec, c'est celui qui agit. Qui agit, c'est-à-dire, ça peut paraître curieux, hein, mais qui parle. Agir, c'est parler. La modalité essentielle de l'action, c'est la parole par laquelle nous réalisons l'essence de ce que nous sommes comme être humain. Je cite ici, ça se trouve juste après le texte dont je vous ai donné la photocopie, où elle dit ceci L'action, la seule activité qui met directement en rapport les hommes, sans l'intermédiaire des, des objets ni de la matière, au contraire de l'œuvre et du travail, donc correspond à la condition humaine de la pluralité. Donc la condition humaine de la pluralité, c'est l'action. Nous sommes plusieurs, donc nous agissons, c'est-à-dire que nous organisons ensemble notre communauté par le logos. Est-ce que c'est clair ce deuxième point hein Donc être politique, premier point, être politique, c'est agir. Et enfin, troisième élément, qui est là, on commence à voir de le problème du travail, être politique, c'est être libre. Cet être libre, c'est ce qu'on trouve principalement dans la, le texte qui s'appelle Qu'est-ce que la liberté qui est un très beau texte dans la crise de la culture. Et elle reprend la même idée dans La condition de l'homme moderne, où elle dit ceci Au fond, pourquoi les Grecs parlent si peu de la liberté Ce qui est vrai, hein, terme très rare chez Platon et chez Aristote. Eh bien, ils n'en parlent pas parce que c'est évident pour eux. Être un homme, c'est être politique, c'est agir, c'est parler. À quoi, bon, à quoi bon évoquer ce problème puisque ce n'est pas un problème On vit politiquement, donc on est libre. La, la liberté devient un problème à la toute fin de l'Antiquité quand on va intérioriser la liberté comme un problème psychologique. Et on va en faire, non pas une capacité d'action, mais une faculté de choix, ce qui n'a littéralement rien à voir. Et là, alors on tombe dans tous les problèmes qui sont classiques dans l'histoire de la philosophie. Hein. Si nous avons le choix, c'est que nous ne sommes pas déterminés, contingences, déterminisme, nécessité, etc. Bon, ce n'est pas du tout notre sujet. Vous voyez qu'il y a une mine de problèmes. Mais Les Grecs, ils s'en fichaient éperdument. Ce n'est pas leur problème, parce qu'ils sont libres. Être, être un homme, parler, être doté d'un logos, être libre, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand cet extraordinaire modèle, hein, peint, effectivement, modèle factice, si vous voulez, en tout cas, ça ne correspond pas tout à fait à la vie des Grecs, hein. Quand ce modèle s'écroule, eh c'est précisément le lien qui a été construit par les Grecs entre l'action, la liberté, la parole et l'humanité qui s'écroule et qui va être remplacé par toute autre chose. Ce qui va remplacer l'action, c'est le travail. Le travail qui correspond non pas à la condition humaine de la pluralité, mais qui correspond à la condition humaine de la vie de la vie au sens le plus biologique du terme. Je parle et j'agis parce que nous sommes plusieurs, je travaille parce que j'ai un corps qu'il faut nourrir. Donc l'homme, le zone politicon, l'animal politique devient un animal laborans qui travaille. Ce qui était la liberté politique, c'est-à-dire la politique, devient liberté intérieure, quelque chose qui est... Enfermé dans la sphère de mon intériorité est, au fond, l'humanité, l'essentiel de l'humanité qui était chez les Grecs de vivre ensemble politiquement est renvoyé à un après, à un salut qui n'a de possibilité authentique que après la mort. Donc, le triptyque action-liberté-humanité est supplanté par un nouveau modèle travail extérieur, liberté intérieure, salut. Et ça, effectivement, c'est le premier drame que, que, qui va, que va redoubler encore le, euh, la fin du travail. Et j'en viens enfin à notre thème. Je pense que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi il y a drame. Hein. Pourquoi il y a drame Eh bien parce que nous sommes donc dans cette situation où le travail, après avoir été l'essence d'une époque antérieure, hein, donc l'époque de la... Modernité de, de, commence à disparaître. Alors, qu'est-ce que c'est le travail Je je, évoqué, je viens de l'évoquer ici. Je, le, je reprends simplement la définition, hein, une définition qui pourra servir euh, tout le week-end, hein, sans doute. Euh, très bonne définition. Hein. Tra, le travail, c'est l'activité qui correspond au processus biologique du corps humain, dont la croissance spontanée, le métabolisme et éventuellement la corruption sont liés aux productions élémentaires dont le travail nourrit ce processus vital. La condition humaine du travail est la vie elle-même. Donc, le travail, c'est une activité qui redouble en quelque sorte le métabolisme du corps et qui vient l'entretenir en permanence. Ce travail, euh, quelle vision en avait les Grecs euh, Je vous renvoie au texte. Hein, je ne veux pas euh, aller longuement sur ce point. Ça se trouve un peu plus loin dans le célèbre passage sur la vision que les Grecs avaient du travail. Alors, en deux mots, c'est assez simple ici. Hein, euh, vision essentiellement négative. Le travail, c'est une charge. Il faut bien travailler pour vivre, mais mieux vaut, en quelque sorte, que seule une catégorie d'êtres soit euh, chargée de cette tâche-là, afin que les autres puissent être des hommes, c'est-à-dire faire de la politique. Alors, je, je, je vais un peu vite. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Elle développe longuement l'analyse, mais l'idée centrale est que si les Grecs savaient bien qu'il faut travailler pour vivre, ils ne sont pas fous, ils travaillaient, il n'y avait pas que les esclaves qui travaillaient d'ailleurs, hein, euh, le travail n'est jamais une valeur. Pourquoi Parce que ce qui correspond au travail, c'est la condition humaine de la vie, et non pas ce qui fait l'humanité de l'humanité, c'est-à-dire la dimension politique. Il faut bien travailler, mais donner une valeur au travail, c'est absurde. Ce qui va se passer dans la suite des opérations, c'est que. Au fond, les Grecs, qui méprisaient le travail, considéraient qu'il y avait l'essentiel qui était la politique, et à côté, il y avait la fabrication, qu'ils ne, qu ne méprisent pas du tout, hein, l'œuvre. Qu'est-ce que c'est faire des œuvres Eh bien, c'est créer des objets qui vont nous permettre d'habiter ce monde. Des objets parfois utiles, hein, des objets qui sont parfois des œuvres d'art. Anna Arendt, inclus dans le concept d'œuvre, autre chose que les œuvres d'art, hein. et ces objets qui nous permettent d'habiter le monde constituent une dimension pas du tout négligeable hein, de l'homme comme homofabère. Donc vous voyez la hiérarchie, zone politicone, en dessous, nous produisons une sorte d'artifice qui, f... qui nous permet d'habiter le monde, c'est nous-mêmes comme homo faber et tout en bas, il bon, faut bien travailler, mais enfin, ce n'est pas intéressant et ça n'a pas de valeur. Ce qui va se passer, c'est que cette dimension laborieuse va littéralement grignoter les deux autres. Elle va tout d'abord absorber l'homofabère et l'idée de fabrication qui chez les Grecs était quand même très essentiellement une fabrication au sens à la fois artisanal et artistique. Et vous savez que chez les Grecs la distinction est très très, très, très floue. Hein, va devenir très essentiellement la production d'objets qui vont être repris dans le métabolisme de la vie et du travail. Donc si, si l'homme reste bien un homofabère, il crée, il produit, il crée surtout pour vivre, voire pour survivre. Donc l'animal laborans, l'animal travailleur, grignote l'homophabeur et il grignote progressivement par l'emprise de l'économie et l'emprise de la technique le domaine de la politique qui est en quelque sorte un domaine encore réservé. Donc, nous sommes aujourd'hui intégralement des animaux laborieux. Alors, pourquoi c'est un problème pourquoi c'est un problème et pourquoi elle souligne le caractère dramatique de, de cette situation Sur ce point-là, elle est à la fois, euh, c'est une des difficultés du texte, en, en accord et en désaccord avec Marx. Hein. Euh, je, vous avez entendu euh, Marx, parler de Marx euh, tout à l'heure. Euh, pourquoi accord, pourquoi désaccord elle a, elle a quelque chose à reprocher à Marx c'est qu'elle le lit, elle lit Marx tout de même comme une forme de valorisation du travail, au sens où. Conformément à l'inspiration qu'on trouve, qu trouve chez Hegel, le travail est tout de même une transformation du monde qui exprime une, la liberté et qui produit des, des objets qui peuvent être utiles. Le problème, euh, effectivement, on peut lire le capital comme ça hein, le, le, le capital, dans le capital, la vision du travail est, est assez ambiguë. Euh, très souvent, Marx dit le problème, ce n'est pas tellement le travail. C'est ce, qu f... ce qui suit la production d'un objet, c'est-à-dire son devenir marchandise. C'est le fait que la propriété privée euh, met en circulation l'objet qui ne se limite pas à sa valeur d'usage, mais qui a une valeur d'échange qui va être source de la plus-value et de toute l'aliénation. Bon, je vais très vite, hein, mais c'est cette vision-là du travail qu'on a chez Marx. Et puis il y a d'autres textes tout à fait étonnants. Vous avez un texte très beau dans le troisième livre du Capital où... Marx, d'un air un peu à la fois lyrique et un peu désespéré, dit « La vraie vie, c'est quand on rentre du travail. » La vraie vie, le être homme, on peut le faire qu'après, pas pendant. Alors, est-ce qu'il est en train de dire que travailler est incompatible avec l'humanité Certainement pas. Hein. Il est en train de dire que les conditions faites au travail et l'aliénation que contient le système capitaliste fait qu'on ne peut pas être homme en travaillant, ce n'est qu'après qu'on peut travailler. Et au fond, c'est ça euh, euh, qui est en train de nous dire Anna Arendt. Nous sommes des animaux laborieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre chez nous le soir Eh bien, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire parce que nous avons perdu les deux strates du haut, l'homophabère et le zone politicon. Et je reviens au texte qui le dit de cette façon infiniment triste. Hein, et vous allez le voir, éventuellement un peu désagréable, hein, si je terminerai par une, une petite critique faite fait à un arène sur ce point. Je, euh, je, je lis le texte très rapidement. L'époque moderne s'accompagne de la glorification théorique du travail. Et elle arrive en fait à transformer la société tout entière en une société de travailleurs. Le souhait se réalise donc, comme dans les contes de fées, au moment où il ne peut que mystifier. Le souhait, le souhait des Grecs, hein, en finir avec le travail. C'est une société de travailleurs que l'on va les délivrer des chaînes du travail. Et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. Donc l'automatisation du travail, ben, très bien, si on savait ce qu'on peut faire de notre temps comme créateur homophabère ou comme homme politique, formidable. Mais on ne sait pas que faire de ça. Dans cette société qui est égalitaire, car c'est ainsi que le travail fait vivre ensemble les hommes, il ne reste plus de classe, plus d'aristocratie politique ou spirituelle qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme. C'est là qu'on a une connotation, pourrait qualifier d'un peu désagréable. Hein. Elle en appelle une aristocratie politique et spirituelle pour restaurer ce qui a été perdu depuis les Grecs, c'est-à-dire l'homophabère, notamment dans sa capacité de créativité artistique, et, et le, le zone politicone. Il faut restaurer ça et elle en appelle à une classe d'hommes privilégiés qui vont au fond apporter la solution à ce problème qui nous occupe ce week end. Elle en appelle littéralement à ça. alors je ne sais pas si c'est une solution ça peut être un peu inquiétant hein, mais elle est tout à fait ici en cohérence avec ses sources philosophiques à la fois Nietzsche, l'éloge de l'aristocratie un certain mépris pour la, la démocratie hein, et pour la démocratisation. Vous savez qu'Anna Arendt a des mots assez durs sur la culture de masse hein, euh, et sur la démocratisation en général de, de, de l'art. La, de Donc, on est dans une société qui est, qui est égalitaire. Ce qu'elle déplore, il faut en appeler à une aristocratie pour restaurer ça. Même les présidents, les rois, les premiers ministres voient dans leur fonction des emplois nécessaires à la vie de la société. Je ne commente pas ce, cette phrase curieuse. Et parmi les intellectuels, il ne reste que quelques solitaires pour considérer ce qu'ils font comme des œuvres. Et non comme des moyens de gagner leur vie, c'est-à-dire comme du travail. Plus personne ne sait ce que ce qu'est produire une œuvre. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privée de la seule activité qui le reste. On ne peut rien imaginer de pire. Voilà la situation. Alors, que faire? Hein Retour aux Grecs, on l'a dit certainement pas. Il euh, y a bien des choses belles chez les Grecs, mais comment revenir à un grec qui en plus un grec qui n'a jamais existé? qui est un grec idéal, un grec fictif. Anna Reine ne le dit pas. On appelait à quelque, une élite aristocratique, pourquoi pas, si l'on entend par là peut-être des artistes, qui sauraient restaurer la capacité de créativité, une aristocratie politique, on voudrait bien, mais c'est assez mal engagé, euh, pour revenir... Rechanger le travail, peut-être que c'est une piste un peu plus fréquentable, non pas euh, modifier dans son essence le travail, mais modifier suffisamment les conditions de travail pour que ce ne soit pas uniquement à la fin de son activité laborieuse du jour que, que l'on puisse être un homme, voilà quelque chose qui peut être un projet politique un peu plus accessible. Et bien sûr, tout ce que je dis là euh, ne fonctionne que si elle a raison dans son diagnostic de fin du travail. Et ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr du tout euh, qu'elle que ait raison dans son diagnostic sur l'automatisation euh, totale de la production euh, aujourd'hui. Donc, les, les, le, le bilan est un peu mitigé. Hein, on, le diagnostic est, est essentiel. Il me semble euh, très éclairant sur ce que nous sommes. Nous sommes des animaux laborieux qui, se, qui avons perdu le sens même de notre existence politique, linguistique. Créatrice, artistique, c'est un drame. La valeur de ce texte, Condition de l'homme moderne, c'est cette valeur diagnostique. Les solutions, il n'y en a pas vraiment, ou elles n'en proposent pas. Euh, on trouve ce, cette même logique chez, encore une fois, Nietzsche et chez Heidegger. Ça n'ôte aucune valeur à leur opération philosophique. Le reste relève de l'activité du politique, et c'est son rôle de trouver des solutions à ce, cette situation dramatique. Si, du point de vue philosophique, il y a peut-être une solution, c'est non pas d'en appeler une aristocratie politique ou spirituelle, mais au fond de permettre l'épanouissement de ce que nous sommes en dehors de cette vie économique à laquelle nous sommes réduits. Et ce n'est pas pour rien en ce sens qu'Arendt intitule son tout dernier livre, l'un des plus extraordinaires, La vie de l'esprit. Merci.